l'État, par exemple, vont réinvestir dans Radio-Canada. Et qu'est-ce qui va surgir? Selon les promesses... Je ne demande qu'à croire, mais surtout à voir. On a le choix entre les réfugiés ou Radio-Canada. C'est un des deux qui va... Qu'est-ce qui va surgir? J'ai l'impression qu'il va surgir quelque chose. Que présentement, on ne peut même pas subodorer, on peut même pas savoir de quel ordre, dans quel sens, sur quel plan, parce qu'il y a trop de variables qui bougent ensemble. Mais la grosse bébelle, les grosses bébelles dont vous parliez, dont Star Wars et tout ça, est-ce que le salon du livre de Montréal, je voulais vous y amener, est-ce qu'il y a pas de ça là-dedans? Est-ce que ce gros événement-là, moi je me suis toujours demandé si les libraires, un jour, vont pas faire du piquetage devant. Or, il semble que non. Il semble qu'ils en sont très, très, très contents, même s'ils perdent plein de ventes. Ben en fait, tu sais, il y a le côté capitaliste à court terme de dire « je perds des ventes pour... »